Voilà. Il y a, regardez. Regardez le largage. Hop. Combien de mètres? 100 mètres, les gars. Est-ce que mon tuto pour avoir un loadout n'est pas trop bien? Du coup, je vais essayer de vous expliquer comment avoir votre loadout le plus vite possible. Déjà, il y a des petits trucs à savoir. Par exemple, on peut pas acheter le loadout actuellement. Du coup, ce que je vous recommande de faire, faites de l'argent dans une zone tranquille. Genre là, tu vois, j'ai 3200 balles. Ça continue de monter. Hop, j'ai bientôt 4000. Là, il faut pas 4000, il faut 5000. Les caisses, c'est là que t'as le plus d'argent. Là, j'ai balancé le radar portatif. On peut voir qu'il y avait un mec accroupi à l'étage de cette maison. C'est bon. Il est mort. Là, on peut voir que je suis traqué à 4 sur 4. C'est pas super important parce que la plupart des mecs, ils ont forcément un niveau inférieur au mien. Logique. Je sais ce que vous allez dire, j'ai fini à 1 HP. C'est bon. Ok. Je viens de me prendre une balle de sniper dans la tête. Est-ce que c'est agréable? Non, pas forcément. Sniper à droite. Je vois que certains d'entre vous l'avaient vu. Alors là, ce mec, on voit qu'il est pas mauvais parce qu'il vient de me mettre un deuxième headshot. Mais là, qu'est-ce qui va se passer, les gars? Je vais me lever. Et qu'est-ce que je constate? Qui m'a push? Étant pas un habitué du rush, mais il est mort. Je sais ce que vous demandez tous, mais chaud, qui est-ce qui vient de tuer ce mec? Et la réponse est très simple. La réponse est... Mais c'est un mec là-bas. Du coup, on prend la visu. On tire une balle à côté. Puis, 3, 2, 1... Il me reste combien de plaques? C'est mes dernières plaques. Il veut camper dans sa maison, il veut pas décale, pas de problème. Moi, je vous conseille toujours de mettre la voiture à cover d'un angle. Et là, j'achète, bam, mon sniper. Du coup, en fait, la réponse à comment avoir son loadout, c'est... Il y a qu'une seule solution. Faut attendre que le truc tombe de l'avion. Ah, il y a les forteresses aussi, excusez-moi, j'ai fait qu'info. Il y a les forteresses sur lesquelles on peut aller. Les forteresses qui sont ces trucs-là, en gros. Mais c'est dangereux parce que tu dois tuer tous les bots qui sont super forts. C'est les bots de Counter-Strike, donc ils ont un Wallach et un Yambot. Et en plus, il y en a une vingtaine. Et en plus de ça, t'es campé aux maisons autour par d'autres personnes. Donc moi, les forteresses, à part si vous êtes quelqu'un de chaud, je vous déconseille d'y aller. Alors, est-ce que le drone hostile vient d'être claqué par un mec qui vient juste de l'acheter là à l'instant? Ah! Oh my god! Le gaz avance, nouvelle zone de sécurité identifiée. Hello man? Hey dude! Punisher, it's your name man? Hey dude! Bro, why you camping and you so bad? Du coup, j'imagine que c'est lui qui a acheté le drone et qu'il n'est pas disponible actuellement. Ouais, c'est ça. On peut acheter que un drone par truc. Attention, une escouade ennemie vous traque. Tiens. La prime que je voulais prendre. Je suis à 2 sur 3, c'est que je me trompe pas, c'est que ça doit pas être loin. T'imagines que je m'arrête, c'est WAM encore qui me fait tirer dessus par deux mecs. Putain! Là-haut. Si vous échouez, vos corps finiront en fait
Putain, c'est les... Kobe. En fait, les gars, ce que je vous conseille de ouf, genre vous êtes des mecs qui aimez vraiment bien avoir votre loadout, l'avion passe toujours dans la zone en diagonale et lâche votre colis dans une zone entre la zone 2 et la zone 6. Mais il vous lâche une grosse diagonale de loot. Ce qui fait que si par exemple je me dis vas-y, je me positionne là, je loot un peu ici, je serai forcément pas loin d'un de mes colis. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais me looter tranquille dans cette petite maison à la con. Je vais attendre un peu. Je vais la jouer cool. Et je vais attendre que mon colis tombe. Voilà. Les gars, regardez. Regardez le largage. Hop. Combien de mètres? 100 mètres, les gars. Est-ce que mon tuto pour avoir un loadout n'est pas trop bien? Je sais qu'il y a des gens au-dessus de moi. Regardez, il y a quelqu'un qui vient de prendre le colis là qui était ici. À mon avis, il l'a pris, il est rentré dans cette maison et il va aller sur le toit. En quelques secondes, on aura un joueur sur ce toit de cette maison. That's my world. Fais chier, putain de merde, j'ai re... Je suis pas encore habitué, les gars, au bon travel time, bon bullet drop, et je mets énormément de body shots. Je sais pas à quelle hauteur il faut mettre le viseur pour mettre des headshots sans arrêt. Je connais pas la retombée des balles. Le signal d'hier nous manque. C'est bon, je l'ai monté. Soldat ennemi en approche. Je vais faire les maisons au-dessus, je vais espérer de trouver un truc. Comment tu fais, le bunny dauphin? Tu plonges, à ce qui paraît? Je peux plus tirer ni rien, les gars. Bah, je te déconseille de le faire, du coup, Spartan. Bon, mais les gars, souvenez-vous de cette game qui reste gravée dans la roche pour vous. J'espère que cette petite game tuto sur comment avoir ses armes vous aura fait plaisir. Vous pouvez écrire GG Activision dans les commentaires.